Salut tout le monde, ici GamerKing pour ce nouvel épisode de Pokémon Versa A. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Là dans cet épisode, on est à Holyville, comme qu'on peut voir. J'ai pris le temps off, pas d'entraîner les Pokémon parce que j'ai trouvé qu'on avait un niveau correct. Mais j'ai attrapé un Krabby, j'ai donné sur pour le pour me permettre d'aller à la prochaine ville. Tout simplement vu que c'est sur une île. Ah, ça rime un petit peu, je trouve. Bon bref. Ah, une coiffure dégueu en plus. J'ai attrapé un autre de nos Pokémon que je vais sûrement entraîner en off parce que c'est pas intéressant. Niveau 6, c'est Grenivol. Ouais. C'est ça. Là, il faut que j'aille. Oui, je vais voir le basic. Ça servira à rien parce que je rentre dans cette boutique-là pour aller lui parler. Ah, tes Pokémon ressemblent à des pois plumes. Ils n'ont pas la force de déplacer les rossés. Tiens, apprends leur force. Tu auras besoin du badge de la reine de Doublonville pour l'utiliser hors des combats. Bon, je reçois le CS4, qui va être franchement utile pour la prochaine arène. Voici la CS4. En mer, la seule et unique chose sur laquelle tu puisses compter, c'est toi-même. Et moi, je me fais bien confiance. Ok, bon. Merci pour ce discours de la confiance. Là, il faut qu'on aille dans le fort. Pour aller en haut, à cause que si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, notre rival, je pense que c'est Silver qu'on l'avait appelé, nous a dit que la championne de la reine était en haut du fort. Pour s'occuper d'un Pokémon malade. Go! C'est parti! Allez! Bon, là, il faut juste que je monte le fort. Puis, j'ai mis l'énergie en premier, j'espère. Je vais juste voir. Oui! C'est pour l'entraîner un petit peu. C'est tout. Hé! Hey, c'est interdit de jouer ici! Ok. Ouais, non. C'est bon. Je vais pas m'empêcher de jouer. Pour vous, monsieur. Bon, c'est un Noirfang. Donc, ok, c'est bon. Éclair. Ça a fait une grosse déviation dans ma voix. Bon, bref. Allez. Ah, il est paralysé en plus, c'est bon. Ça va l'aider. Ça va m'aider, en fait. Pic-pic. Ce n'est pas très efficace. Haha. Je suis un Pokémon de type électrique, monsieur. Ouais, en plus, un monsieur. J'étais pas sûr si c'était un monsieur, le Noirfang. Bon, c'est super efficace, je le savais. Bon, l'énergie gagne 693 points d'expérience. Ah, t'es un garçon sérieux, toi. Bon. Ah, puis si vous vous demandez pourquoi j'ai plus de niveau avec l'énergie que dans le, qu'à la fin du dernier épisode, c'est pour juste à cause que j'ai pas fait des combats sur des routes, donc j'ai dû battre des champions pour aller chercher des trucs que chercher. Bon, il m'envoie un petit tort. Pour des trucs, comme chercher la canne, puis tout ça. Donc, j'ai dû combattre du monde à nouveau. Pas à nouveau, en fait, que j'avais jamais battu. Donc, c'est ça. J'ai quand même une coiffure dégueu, c'est fou. Ne jamais se laver, puis après aller dans le lit, parce que c'est ça fait ça. J'ai pas suivi cette règle-là. Yeah, son petit tort est mort, c'est bon. Là, il envoie un Tétard, qui est l'évolution de Petit Tard. Je ne sais vraiment pas... Ouais, oui, on va faire la reine dans cet épisode, c'est pratiquement ça. J'ai besoin de l'énergie parce qu'il va être grandement utile. Vous allez voir c'est quoi la reine. C'est pas une arène de type eau. Parce que cette génération-là, il se mêle vraiment bien avec le parallèle de Pokémon rouge et bleu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun champion d'arène, oui, c'est ça. Que les mêmes Pokémon que à Kanto. Donc je trouve ça super. Puis c'est un petit peu normal parce qu'après la ligue, il y a une petite surprise. Vous voyez dans mon layout de toute façon. Donc ça. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as? Tu veux? Allez, va-t'en! Ok. Mais toi, pourquoi tu me déranges dans ma marche? Ah. Puis dans cette arène. Dans cette arène, non dans ce fort, je veux dire. Parce que là on est dans un fort. C'est beaucoup des ornithologues et
des marins, donc ça va être assez facile de toutes les battre, puis assez facile d'XP l'énergie, donc c'est bon. Je sais vraiment pas si je vais faire des avances, peut-être que oui en fait, vu que c'est bientôt le temps des fêtes, puis c'est ça. Peut-être pas tout le temps envie de tourner, je sais pas encore. On verra. Allez, il m'attaque vive attaque, ok. Allez, éclair. C'est good. Ils vont tous mourir, de toute façon, ils sont niveau 15. L'énergie est niveau 27, c'est bon. Un autre cool, ok. Éclair. Il crève, ouais. C'est bon. Ah, rendu niveau 28, notre l'énergie, c'est bon. Il évolue au niveau 30, si je vous rappelle. Si je me rappelle bien, il évolue au niveau 30. Allez, un recul encore. Éclair. Bon, il fait vive attaque, c'est pas... Bon, c'est pas très efficace. Go, éclair, puis tu le butes. Allez, c'est bon. Là c'est quoi un autre coup. En fait c'est... Il y a certains personnages qui ont juste des magicarp, lui il y a juste des roucoules. C'est pourri. Ça fait ça fait pitié, sérieux. Tu fais pitié. Ah bah t'en, t'es mort. Bon, au moins ça entraîne mon l'énergie. Ouais. Bye bye. T'es pourri. J'ai pas besoin de talent pour te battre. Après ce qui est... Ah, un Dinkleman. Je parcours la terre en quête d'entraînement. En garde, l'ami. C'est bon. Ouais, je vais être en garde. Ah, et on voit un Caninos, lui, il n'y a pas de Pokémon de type vol. Ah, c'est bon. Ou de type eau, en fait. On va essayer d'attaquer Claire, voir si ça fait quelque chose. Ouh, ça fait pas quand même plutôt mal, hein. Je veux dire. Allez, éclair. C'est bon. Là, il m'envoie un Caninos encore, ok. C'est pas grave, je pourrais le battre avec mon petit l'énergie. Attaque, éclair. Non, il est paralysé en plus, c'est bon. Ça va m'aider. Ça va me faciliter la tâche. Ah, il m'attaque sur le main. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Ah, fiu. Allez, un furison. Mon petit furison, c'est bon. Allez, veuve attaque. Là, c'est bon. On le bute. Puis c'est ça. Bon, je veux errer autre part alors. Ok, je veux errer autre part. Là, faut que vous ayez par là. Jasmine est la championne de cette ville. Et moi, je suis plus forte qu'elle. Et ça, tu vas le comprendre. Peut-être, peut-être pas. De toute façon, Jasmine, ça... Son type est faible contre un qu'on a. Ah, en plus, elle envoie un Maril, c'est bon. Allez, éclair. Tu vas crever, Maril. Ouais, non. Je pense qu'il y a une bonne défense Maril, si je me trompe pas. Défense spéciale ou défense physique, je sais plus. Mais je pense qu'il y a une bonne défense spéciale, donc c'est ça. Pas spéciale physique. C'est ça. Bon. C'est super efficace, la Maril est KO. KO. Ah, mes Pokémon. Ah, oui. Ils sont morts en fait. Bon bref, qu'est-ce que tu veux? Les marins sont sympas et musclés. Et toi petit... Bon bref. Imitation d'un marin qui s'y croit fort en fait. Bon, il va m'envoyer un tétard, ok. Oui monsieur, vous pouvez m'envoyer un tétard, mais quand il y a l'énergie à côté de vous... Je ne sais pas. Mais il m'attaque tourniole comme... Ça me touche trois fois, ok. C'est pas super. Éclase, oh, pauvre petit, il va mourir, ah, t'es mort, ok, oh, bon, bref,
Fatality. Non, on n'est pas dans Mortal Kombat, quand même. T'es fort, c'est bien. Merci. Putain. Bon, bref. Putain. Bon. Parce que mon ordi voulait mettre une mise à jour. Donc, j'ai dit, putain. Je mets ça. Bon, bref, pas grave. Là, on va parler. Là, il y a un dresseur. Salut, marin. À place de parler, moi, je reste là. Voir s'il va me regarder. Bon. Je voulais défier Zaswin, mais ce n'est pas le moment. Et toi, ça te tente? Ok. Oui. Quand on veut pas qu'un dresseur vienne nous battre, il nous bat pas. Mais quand il veut nous battre, quand on veut pas le battre, il vient nous battre. Et quand on veut pas, il nous regarde pas. Quand il en veut, il nous regarde pas. Mais quand on veut pas, il nous regarde. Bon bref, c'est assez complexe ce truc que je viens de dire. C'est de la difficulté. Bon, j'enregistre ça à minuit, là, calmez, là. Relaxez. Non, bon, bref. C'est ça. Un Machoc. Bon, tu vas crever. Bon, il est presque mort. Ah, il m'attaque Balayas, c'est pas... Bon, correct. On va dire. Go. Éclair. Et il a crevé. Yeah. Là, c'est qui m'envoie un Machoc encore? Eh non, un tétard. Ben là. L'énergie va se faire plaisir, hein. Il va se faire plaisir. Ok, un accent de merde que je viens de faire. J'ai l'impression. Bon, bref. Va se faire plaisir. C'est ça. Bon, bref. Je suis fou, je suis en train de péter un câble. Là. Bon. Oui, t'es fort toi. Ouais. I know. Je le sais. Qu'est-ce que tu... une super ball. Bref, ok, merci. C'est toujours ça de prix. Voici la championne de l'arène. Salut. Ce Pokémon gardait la mer éclairée toute la nuit. Mais... il est tombé malade. Il manque d'air. On dit qu'il y a une bonne pharmacie à Irizia. Mais c'est à l'autre bout des mers. Et je dois m'occuper de Fari. Peux-tu aller chercher des médicaments? Pitié. Ok. Je vais aller chercher les médicaments sur Irizia. Irizia. Qui est la prochaine ville? En fait, c'est une île. Go. Là, on descend. Puis là, on est arrivé. Go. On sort de là. Partons. Ouais. Pour ça que j'ai appris avec mon petit Krabby Surf, en fait. C'est juste pour aller sur l'île. Après, il ne servira plus à rien. Donc, il va être dans le PC, puis il va croupir là-dedans. Puis il va mourir, puis c'est ça. Il va mourir de faim. Non, bon. Ben, je vais le laisser là-bas. Go. Puis ça va entraîner mon petit l'énergie. Je m'en allais dire Farah, mais non. Et oui, on a la presse, si vous savez pas. Non, ok. Bon, ah, un Tentacool. J'ai-tu... oui, j'étais régénéré mes Pokémon, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'était fait. Bon, éclair. Là, il est au niveau 29 en plus, notre l'énergie, il va bientôt évoluer un grand pharaon. Bon, allez, construction, seulement. Oh, 2 PV, ouais. C'est rien, c'est rien. Mon dieu, ah, t'es pourri. Bon, bref. Là, ok, c'est bon. Salut, madame. Je voulais pas vous battre, monsieur. Monsieur, vous voulez pas vous battre... madame, je veux dire mademoiselle, je voulais pas vous battre, désolé. Qu'est-ce que vous faites, bâtard? Allez-vous-en! Hey, madame, il faut s'échauffer avant de se baigner. Tout le monde sait ça. Puis aussi, pas manger avant de se baigner, ça peut aider. Bref, bon, Vladimir, on a un russe. Oh, mon dieu, bon, bref. Là, un tentacule, va utiliser éclair pour le tuer. Parce que c'est ça, un tentacool, c'est pas cool. Ah, j'ai une mot de l'enfer qui tue. Bon, bref.
Allez, éclairé. Tu vas crever. C'est super efficace, évidemment. Ah, il va bientôt évoluer, c'est bon. Tentacool. Sans... non. Allez, éclair. Oui, j'ai pris un granivole comme Pokémon de type plante. J'en ai pas vraiment parlé, mais c'est ça. C'est un granivole. Je sais que c'est pas un Pokémon très fort, mais si on l'entraîne bien, il peut devenir ultra utile. Puis mon but aussi, c'est pas d'utiliser des Pokémon ultra titées. Donc c'est ça. C'est comme Magikarp, on peut faire des trucs ultra titées avec ça là. En fait, non, pas vraiment, parce qu'on peut pas la prendre de CS, donc, ou de CT. Donc, ça sert à rien, un Magikarp. Désolé, pour ceux qui sont fans de Magikarp. Mais allez voir un psychologue. C'est pas normal. C'est Léviathan, c'est plus normal si vous tripez dessus, mais pas Magikarp. Il sert à rien, c'est une daube. Pauvre petit. Bon. Oui. Ok, c'est bon. Là, je dis des mots comme ça, c'est juste pour voir si ma Audacity décide pas de planter ou quelque chose comme ça. En espérant pas qu'il plante parce que ça me tente tout de retourner l'épisode. Je vais garder le même Pokémon. Mais à la fois, ça me tente pas. Non, c'est pas que ça me tente pas, c'est juste que c'est long de tourner un épisode. Bon, ok, go. Ils vont bientôt mourir, c'est bon. Il faut qu'il reste au niveau 30, faut pas qu'il monte d'un coup au niveau 31 parce qu'il apprend une attaque au niveau 30 par an. Un Carabaf, ok, je m'en fous. Ah, il est presque mort, vite, tue-le. Bon, allez, éclair, puis tu crèves, Carabaf. Bye bye. C'est super efficace. Le Carabaf ennemi est KO, l'énergie gang, 612 points d'expérience. Et Boris Nazar a perdu. Je te pute! Quoi? L'énergie évolue. Non, je refuse. Non, je déconne. Je vais pas refuser. Ton 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 non non non. Oh, ok. Bref, c'est un petit peu bizarre. Je suis devenu fou! Bon, félicitations, votre l'énergie évolue en Pharaon. Pharaon tente d'apprendre, point clair. Mais Pharaon ne peut pas apprendre plus de 4 attaques, de 4 capacités. Effacer une ancienne capacité pour point éclair. Non. Un rugissement. Un 2 et tada! Pharaon a oublié le rugissement et Pharaon apprend point éclair. Yeah. C'est une attaque que j'aime bien, point éclair, perso. Je vais aller par là. Je vais aller longer ce côté-là. Bon, je m'en fous, tu me vois. L'eau est bonne par ici. Tu veux combattre? Pas de problème. Non, je veux pas combattre. C'est toi qui vis nu, macho. Donc, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que c'est tout le temps des filles qu'on voit, mais en fait, c'est des gars, genre. Je suis perdu. C'est bizarre. Bon, bref. Je vais mettre point éclair comme première attaque. Puis, je l'ai pas faite parce que j'ai payé sur A au lieu de select. Ça, c'est fort. Bon, c'est pas grave, je suis pareil, mais je vais mettre quand même point clair en premier. Tentacruel, ok. Tentacruel. Je parle anglais maintenant. Tentacruel. En anglais, oui, c'est ça. C'est Tentacruel. Tentacruel. Allez, Tentacruel. Bon, bref, point clair. Ok, assez fort. Puis j'ai pas regardé si mon pharaon est bon en physique ou en spécial. Faudrait que je check ça. Tantôt. Je regardais mes chocs. De toute façon, la nature, ça importe peu. Vu qu'il n'en a pas de nature, ni de talent, ou de capacité spéciale si vous êtes puriste. Parce que talent, ça apparaît, je pense, avec la sixième. Donc, c'est une capacité spéciale pour les vieux. Donc, si vous êtes tous à l'aise avec capacité spéciale, mais sentez-vous vieux. C'est tout. Je suis, ouais, mais on m'en fout. Ah, je vois. Allez, Pharaon, un petit stat. Ouais. Ouais, oui, bon, bref. Ah, il ment, il meilleur en spécial, Pharaon, ok.
Par contre, les attaques, je pense qu'ils ont pas de type, de capacité en fait. Attends, je vais voir. Non. Ils ont que dalle en fait. Je peux pas voir si c'est une attaque de type physique ou spécial, donc ça marche pas. Ah, c'est skip, madame. Je vous ai skip. Bon, voilà. Skip. Ah, Tentacool. Allo, Tentacool. Tentacool. Ah, c'est vraiment comme ça qu'ils disent en anglais en passant. Tentacool. C'est pas quelque chose que j'invente. En plus, ils disent qu'ils entraîneraient mon pharaon, puis c'est rien. Oh! Oh, ça c'est cute. Un démentaire. Mais je m'en fous. Parce que mon Pokémon O est déjà choisi. Et non, ça va être pas Krabby, ça va être... Je vais pas vous le dire, en fait. Surtout que c'est un Pokémon assez difficile à avoir dans le jeu. Là, ça l'a fait un KO instant... Ben, à peu près un instant de KO, on pourrait dire un KO instantané. Pour la simple bonne raison qui est de type vol et... vol et... EO, en fait. Donc, ça fait un... x4. Au lieu de x2... Comme sur un tentacle. Au lieu de faire x2 sur un tentacle, là c'est pas bla bâclé. Bon bref, go. Bon, il est mort, c'est bon. Entraînement d'un pharaon. C'est vraiment mon Pokémon préféré de la deuxième génération, pharaon. Tu commences à m'énerver d'avoir trop de Pokémon qui m'a gros. Ça commence à m'énerver. Bye bye. Fiat. Allô? Non! Non! Juste avant en plus. Bye bye! Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Bye bye! J'ai hâte d'avoir vol parce que je sais c'est où qu'on ne vole puis c'est bientôt. Yeah! Parce que ça m'énerve de faire gros par des Pokémon dans l'eau. Ça. C'est pas le fun en fait. Go, parle! Je vais le parler. Bon, salut, bienvenue, ouais, on s'en fout, je vais juste soigner mes Pokémon, merci, ouais. Ton, 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 ton. Bon, bref, merci d'avoir attendu, ouais, merci. Bye bye! Ok. C'est bon, allez, alors, avance, on va par là. Il faut que je les batte. Mes Pokémon et moi sommes liés par une grande amitié. Notre liaison ne mourra jamais. Ok. C'est bon. Allez, un petit karatéka. Hiro karatéka. Karatéka. Ouais, karatéka. Je pensais qu'il avait fait une faute, mais... Hein, c'est quoi cette faute-là? Non, en fait, c'est pas une faute. C'est moi qui ai mal lu. Qu'est-ce que je pensais? Ah, t'aurais pas pu le manquer, ça aurait été drôle. Tu t'aurais cassé la gueule. Bon, bref, point clair. Mon pharaon est quand même juste en niveau. Un double pied. Alors, c'est quand même bon. En plus, j'ai dit mon pharaon est bon en spécial qu'en attaque, puis attaque des attaques de type physique en fait. L'autre, il doit avoir un comment un... Ah, attends, c'est quoi? Un Taignon, je pense que c'est Taignon son nom. Pas ça. Je pense que c'est Taignon. Il risque d'avoir un Taignon là-haut. Taignon, ouais, c'est ça. J'ai trouvé le nom, yes, bon. Je vais utiliser Éclair. Éclair, go. Ah, il m'attaque point glace. Bon, ok, c'est rien. Non, c'est clair. Éclair, éclair, éclair. Tu crèves. Non, même pas. Bon, point éclair, c'est plus fort. M'attaque point comète. Ouais, ok. T'attaques comment de coup ça? 4 fois ça m'a touché, ok. Allez. C'est bon. Je pense qu'il y a une meilleure défense. Ouais, il y a une meilleure défense qu'une meilleure attaque. Meilleure défense qu'une meilleure attaque, si je me trompe pas. Mais je me rappelle plus comment faire évoluer sa petite évolution en lui, c'est ça. Il me semble que c'est par défense. Oh là, on est tombé la nuit. Ah oui, je vais voir quelle heure qu'on est. Pas sac, Pokématos. 6h PM. Oh, on est 6h. Ok, c'est bon. Go.
En fait, c'est l'heure du jeu, parce qu'on n'est pas vraiment 6h PM, 15h record, juste pour vous dire. C'est l'heure du jeu. Bon, go. Bon, bref. Allez, toi, qu'est-ce que tu veux? Je ne parle pas la bouche pleine, ok. Sinon, ça fait... Alors, je me sers de mes points, ok. C'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que tu m'envoies? Un Matok, ok. On utilise point éclair. C'est bon, il est battu, c'est super good. Niveau 32. Il m'envoie mettre ce par qui go. J'espère que je vais le battre d'un coup comme avec le Matchuk, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a une meilleure défense en fait. Puis c'est normal un petit peu. Bon, ah, bientôt. Et Bulma, c'est fort contre lui? Ah, je sais pas. Ah non, c'est pas efficace, ok. Je pensais que ce serait efficace comme l'attaque des attaques de type sol, mais non. Bon, bref. Allez, Farah, Ryu. Ah, Ryu est dans le jeu. Oh mon dieu. Bon, bref, go. J'ai pas donné ma cesse, la cesse force à mes Pokémon, donc je vais le donner maintenant. Akrabi peut être notre second cesse lave en fait. Go. Allez, oui, je sais, on s'en fout. Bon, merci. Par là. Et on va battre lui avant d'aller au centre Pokémon. Mes points de ouf vont terrasser tes Pokémon. Ok. Si tu réussis, désolé. Je sais pas, j'ai trouvé que ça sonnait un petit peu mal. Qu'est-ce que c'était en premier? Un Ferro 5, ok. Ouais, bof, je vais te le battre. Désolé, point éclair. Aïe, battu. Un autre Ferro 5, je pense que lui a juste des Ferro 5, donc ça va être tranquille. Perso, je trouve ça tranquille. Point éclair. Tu crèves? Oui, tu crèves. Puis le prochain, je pense que c'est un Ferro 5 aussi, là. Au pire, un Colossinge. Non, un Colossinge, ok. Un Colossinge! Qui est l'évolution du Ferro 5, en fait. Ça c'est le nom, puis j'en ai battu deux tantôt. Ben, c'est assez troublant. Bon, bref. Go, point clair encore. C'est bon. Il est battu. Là, c'est bon. Non, pas de niveau, pas grave. Il va monter de niveau avec le champion. Bon, je suis nul. Oui, je suis nul. Bon, je vais aller au centre Pokémon. Go. Puis après le combat, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste pour vous dire. Bonsoir, bienvenue, ouais, je m'en fous. Allez, soigne mes Pokémon s'il te plaît. Tan 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 nan nan nan. Bon, bref. Go. Ouais, mes Pokémon sont super forts, merci. Non, on s'en va. Battre le champion de la reine de Irizia, qui se nomme Tsok. Allez, oui, je sais que je peux déplacer les recettes maintenant, merci. 1, 2, 3, go. Wouah! Tu es arrivé jusqu'ici pas mal pour un minute. Laisse-moi te dire que je suis une die. Mes Pokémon explosent la rosse et fracassent les os. Regarde ça. Blurk. Alors, t'as pas ou faut crier plus fort? De quoi? Ça n'a rien à voir avec les Pokémon. Je sais. Allez, en position pour la bataille. Ton, 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 ton. Tsok, champion veut se battre. Tsok, champion envoie un Colossinge.
Quand c'est Citizen, c'est pas lui qui galérait le plus en fait. Vous allez voir, ça va être qui se galérait le plus quand j'étais jeune. Bon, ok. Ça va être le prochain, c'est juste après. C'est pour ça que j'ai tout le temps un Pokémon de type électrique avec moi. Point karaté, c'est pas fort. Ouh, c'est quand même... Ah, c'est quand même efficace. En plus, un coup critique en plus, c'est fou. Bon, point grave. Ah, niveau 33, c'est bon. Ok. Allez, le tartare. C'est lui qui galérait le plus. Je vais utiliser l'éclair, voir qu'est-ce que ça fait. J'espère que des rappels pensaient ça. Ah, c'est bon. C'est super efficace, je sais. Hypnose, ça n'affecte pas Pharan, merci. Allez, point clair, voir si c'est plus fort ou moins. Et non, c'est à peu près égal, je sais pas. Faites bon, bref, j'ai battu le champion, Chuck. Qui était quand même assez facile. Hein? Quoi? Mais, j'ai pas gagné, là? À propos, je peux te dire un truc. Je pense que tu mérites le bon vieux badge Chuck. Gold reçoit le badge Shock. Yeah! La classe. Avec le badge Shock, tous les Pokémon jusqu'au niveau 70 et même les échangés t'obéiront. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol hors des combats. Tiens, attrape ça! Ah, la CT 01 qui est, je m'en rappelle pas. C'est Dynamo Point. Ah, c'est quand même bon. Ça ne touche pas toujours, mais lorsque le coup est porté, il entraîne la confusion. Ah, c'est bon. Je vais parler à elle. Allô, madame. Tu as traversé la mer pour venir ici? Ça a dû être bien dur. Ce serait plus facile si tes Pokémon savaient voler. C'est le badge de la reine d'Irizia. Voilà pour toi, une CS. Wait. Oui, merci, madame. Ah, non. Ah, quel boulet. J'ai oublié d'être un Pokémon de type vol. Donc, je peux pas voler. Avec. Oui, Granivelle est de type vol, mais je peux pas voler avec. Attends, quelle attaque qu'il y a? J'ai même pas regardé. Synthèse, trempette, mimiqueux, des attaques de merde. Bon. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Ton Pokémon semble en pleine forme. Quelque chose te tracasse? Le fort Pokémon est en danger? Épuisé. Ça devrait faire l'affaire. Je reçois la potion secrète. Ma potion secrète est un tatinette. Trop fort. Je ne l'offre qu'en cas d'extrême urgence. Ok, merci. Merci, monsieur. Je vais aller soigner les Pokémon avant tout. Puis on va se laisser là. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va se retrouver à Uville pour des raisons que ça me tente pas de vous montrer toute la main à nouveau. Ça risque de vous énerver un petit peu. Puis c'est ça. On va s'arrêter ici. Attendez. Bon, ok. On va s'arrêter ici. En espérant que cet épisode vous aura plu, évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dire, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode de Pokémon version A. Puis mardi pour un prochain épisode de Batwing World. Sur ce, en attendant, moi, je vous dis portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye.